Salut à tous, c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le dernier épisode de notre aventure sur Cobblemon. Bonjour Monsieur Hill, comment il va? Bonjour. Bien. Ah là là, normalement c'était bonjour moi, mais c'est pas grave, on avance, tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, nous allons faire non pas la ligue, mais nous allons faire les boss finaux. Puisqu'aujourd'hui, nous allons affronter plusieurs légendaires. Je t'invite, Monsieur Hill, je t'invite à appuyer sur le bouton. Et moi, je vais filmer leur arrivée. T'es prêt? Ah, du coup, tu prends lequel? Articoquack ou Elector? Articoquack. Tu prends Articoquack? Très bien, je prends Elector. Let's go! Affrontement! Oui. Attends. Comment ça marche déjà pour avoir une belle cinématique? On se met comme ça. C'est parti! Alors. Commencer par un piège de rock, ça va. Ah putain, mais j'ai sorti Grelet, mon premier Pokémon. Oh, tu me dis, bah non, mais en vrai, oui, mais séisme, il est insensible à séisme, n'est-ce pas? Pas sûrement, c'est un vol. C'est un oiseau. Oui, Elector est immunisé, évidemment, espèce de crétin d'idiot. Boule de rock! Putain, oui, c'est vrai, la rapide ball. Oh là là, mais attends, mais... Tu l'as tué? Mais comment... Mais il est niveau 100, mais comment c'est possible? Mais tu l'as super efficacé. Ah oui, c'est vrai qu'on est niveau 100 aussi, du coup. Oh non, mais je voulais pas le tuer. Non. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Au secours. Mais non, vas-y, ça saoule. Moi, je boude. Mais j'ai que des rapid balls, donc c'est de moins en moins efficace, en fait. Allez. Pas des balls à me passer. Can do it. Si, mais je suis pas sûr que ça marche en combat. Vas-y, tu contrôles quand tu... Ouais, merci. Tiens, voilà, qui est un petit peu de cadeau. Oh non, mais oh vas-y, j'ai tué un de mes deux Pokémon Elector et les légendaires, là, au secours. Pourquoi j'ai fait ça? Non, mais ça dégoûte. Faut que je fasse gaffe sur le prochain, fais chier. Le prochain, ouais, j'ai rendu Articode d'un confu. Ah, ça c'est bien, ça. Compte comme un truc de statue ou pas pour le bonus de capture? Les statues, normalement, comptent, oui. Oui, non, mais confu... Ah, confus, je sais pas. Confus, peut-être pas. Je suis pas sûr de cette info. Ok, il reste 7% d'HP, j'ai eu peur. Oh non, mais il est confus s'il se fait des dégâts tout seul. Oh, s'il se fait des dégâts tout seul, c'est dans la merde. Allez. Allez. Oui. Ah, oh, bien joué. Oh, vas-y, moi, je boude. Putain, mais quel idiot. Mais évidemment, voilà. Mais pourquoi j'ai fait ça? Oh. N'importe quoi. Tant pis, j'assume, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas fini. Nous avons deux autres Pokémon légendaires à affronter. Hop là. Incroyable. Oh, il y a un Wandering Trader, attends. Oh là là. Je repositionne le Pokémon. Ok, donc c'est du coup, bon. toi, tu te fais sulfurer. Mais non, mais il y a un Rattata qui l'agresse aussi. Ouais. Arrête. C'est bon, il est mort. Tu fais Mewtwo. Je fais Mewtwo. Très bien. Alors. Bon, j'ai toujours mon Grelem. Ah merde, mais du coup, moi j'ai peur de lui faire trop de dégâts. Ouais, moi aussi. Attends, je vais déjà tenter de le capturer un coup avec... Une rapid ball, j'ai oublié. Ouais, tente la rapid ball au début. C'est pas passé du tout. C'est terrible. Mewtwo utilise frappe psy sur Grelem, il va très bien. Je retente une rapid ball. Et après, je passe aux hyper. Allez. Ok, bon bah tant pis. Ok, une petite hyper encore. 7% d'HPI là. Ça devrait le faire, je peux pas lui faire plus de dégâts, je pense. Moi j'ai toujours pas fait de dégâts hein, à mon Mewtwo là. Mais en même temps j'ai peur de lui faire trop de dégâts. Est-ce que j'ai pas sommeil sur Ectoplasma? Quoi là? C'est quoi le fauchage? Je crois que j'ai fauchage sur mes Pokémon. Je vais dire pas là. C'est vrai qu'on passe trop de temps sur Palworld en ce moment. Morsure, ça lui fera pas trop de dégâts ça. Quoi? Mais morsure, je lui fais 4. Il reste 49%. Ouais. Au secours, Karchakrook, t'as pas un truc de statue? Toi aussi t'as Karchakrook? Oui, j'ai Karchakrook aussi. Putain, il a morsure aussi, mais j'ai peur de faire trop de dégâts. Mon Karchakrook est mort. Et les câbles, il a pas une attaque qui paralyse. Ça pourrait être bien ça.
Fatale foudre, coup de jus, coup de jus, coup de jus. Coup de jus, coup de jus. Coup de jus. Coup de jus, ça fait des dé... Il a fait un critique. Putain, il a fait un critique, ça me casse la couille. Oh là là. Mais non, mais insupportable. Je vous déteste les Pokémon. Mais non, mais ça saoule, mais putain, mais niveau 100, et ça... Mais non. Tire des balles. Oh non, mais vas-y, la première fois qu'il fait coup de jus, il lui fait zéro dégâts, la deuxième fois, il le tue, quoi, au secours. Ouais. Allez, vas-y, tu peux le faire. Ouais, je peux le faire. Ah, mais tu dois avoir fauchage, toi, en plus. Non, j'ai avec pas. Avec ce Pokémon. Ah, d'accord. Ouais, je pensais qu'il serait plus compliqué aussi à vaincre. C'est quand même des légendaires, quoi. Ouais, mais... Oui. Non, mais... Oh, vas-y, ça saoule. Ah non, je t'ai défié, je voulais pas. Ok, donc moi j'ai une deuxième chance. Allez. Vas-y. Attends. Vas-y. Ah, il y a un petit aspicot ici. Ok, on va retenter. On va retenter Elector. Qu'est-ce que... Tu sais quoi, je vais y aller avec Ectoplasma. Je vais essayer de les... Je vais essayer de les endodo plutôt que... de faire n'importe quoi avec. Voilà. Alors... Si je fais un petit hypnose, ça passe. Ok, il dort. Il dort. Si je fais capture... Une rapide boule, ouais. À la rapide. Ok. Ah non. Il est sorti, ça dégoûte. Il dort non, encore. En plus, le statut sommeil, en plus, il est bugué, je crois. Ok. Elector s'est libéré. Elector est endormi. Ok, très bien. Je sais pas au bout de combien de tours. Allez. C'est moins efficace le rapide ball. J'en ai absolument aucune idée, mais ça doit déjà plus être très efficace là. Vu comment il sortit rapidement. Attends, je vais essayer de lui faire un petit peu de dégâts. J'ai trop peur de lui faire trop de dégâts. Dévorev, c'est puissant quand même. Hein. Balombre, c'est peut-être. Balombre ou Vibre Obscur. C'est quoi qui est le plus puissant entre les deux? Si je... Vibre Obscur, ça peut le rendre confus. On va peut-être éviter du coup. Ouais. Ouais, on va tester un Balombre. Balombre, ça lui a fait 40% de dégâts. Et Elector s'est réveillé. Au secours. Je refais un hypnose. Cela échoue. Ah, dommage. Et les canons. Bah ouais, forcément. Bah ouais. Forcément. T'as des boules forcément. Par terre, des hyper boules. Ouais, je vais les récupérer juste après. Morsure, c'est trop puissant. Dracogriffe, ça me paraît un poil vénère. Non, Morsure, c'est. Ah, morsure, je l'ai quand même mis à 49% avant, hein, le Mewtwo. Okay. Après, là, il est à 60%, donc je le tente. Ok. Il lui reste 36% de PV. Je vais essayer de le capturer avec une... Avec une hyper. Allez, dis-moi que ça passe, je vais récupérer les balles en attendant. Ok, c'est passé. Elector s'est capturé. Peut-être que Mewtwo, tu peux utiliser la Master Ball du coup. Ah oui. Oui. C'est vrai qu'on a une Master Ball. Je vais la chercher, je vais la décrocher moi-même. Ah, vas-y. Je suis le mec qui triche. Hop là. Je récupère la Master Ball. Mais non, mais il va me crever ce truc. Ah non, mais la maison brûle. Ah non, mais tes éclairs brûlent la maison. T'inquiète. Et j'ai la Master Ball. Très bien. Mais du coup, j'ai même pas besoin d'engager le combat avec Mewtwo là. Ouais, vas-y, attends, j'arrive. Master Ball, t'es prêt? Vas-y. Et là, ça échoue. Oh, waouh! Incroyable. Oh non! J'ai fait un zoom sur la Master Ball exprès pour prendre un screenshot. J'appuie sur F5. Mais du coup, on a capturé du coup tous les légendaires de la première génération. Et vu que c'était la première saison, bah c'est parfait. Ouais. Hop, alors attends. Première saison, attends, hey, tu viens de teaser qu'il y a une deuxième saison. Hein? Quoi? Non, j'ai rien fait. Votre équipe Pokémon est déjà complètement soignée. Hein? Non, t'inquiète. Oh, t'inquiète. T'es prêt? Ah bah oui. Ah bah oui, forcément, il les sort, lui. Bah oui, évidemment. Bah oui.
Évidemment, évidemment. Ah, c'est vrai que je peux pas ne pas les utiliser aussi. Ok, quand tu veux. Bon. Oui. Quand je veux pour. Ah oui. Pour la fin de la série, le combat, tout ça. On est dans une arène, faut en profiter, Cyril. Et c'est le PVP. Ah. Let's go. Pardon. L'homme qui s'emporte. Alors. Ok, on commence évidemment par ça, parce que sinon c'est pas rigolo. Bien sûr. Ok. Ah putain, t'es type vol. Ah bah ça. Ça c'est bien ça, contre les types vol, je crois. Je sais pas. Ça devrait passer peut-être. Alors, le tour 2. C'est super efficace. Ah ouais, c'est pas... Deux fois j'ai touché, pas mal. J'ai rien fait. Quoi? Comment ça s'est... Bah si, j'ai fait. Ouais, moi, t'as utilisé glaciation, mais ça a pas marché. Je suis immunisé apparemment. Mais je Hop. Sais pas, je connais pas mes tables de type. Aïe, le macogneur. Oh putain. J'ai touché 4 fois. Oui. Ah mais t'as changé de Pokémon. Oui. D'accord. Ah ouais, mais attends, mais ça t'a rien fait? Au secours. Ça peut-être? Hop là. Oh non. Bon, tu veux. Putain. Oh non. Je vais tenter un truc. Oh le fou furieux. Ok, Ectoplasma est immunisé, parfait. Mais je connais pas l'attaque, attends. L'autre il est en train de chercher une table des types sur internet. Moi je fais tout de mémoire. Oh non. Je crois qu'il fait poison spectre. Potentiellement. Éventuellement. Du coup, que vas-tu faire? Qu'allez-vous faire, monsieur Hill? Oh. Ah. Le Yoyu. Ok. Non, je dorme. Eh oui. Non, hop là, un petit dévorève. Ça va pas marcher. Allez. Fais dodo. Bon, il s'est accroupi. Petit dévorève. Ok. Au carnage de Armex s'est endormi. Et des voix, ça a bien marché, hein. Hop là, plus de Rocarnage. Rocarnage is dead. C'est parfait. Rocard dead. Exactement. Attention, technique de trop chiant. Ah, soleil chou. Dommage. Ça, peut-être. Si ça donne ça. Ok. Bon. Ectoplasmouille, okay. Il est KO. Ectoplasmouille. Ça me fait rire ce genre de truc, je sais pas pourquoi. Alors, fais voir un peu. On va sortir Lector. Mettez. Oui, qu'est-ce que je suis. On va changer de. On va changer de PAL. De PAL. Du fameux PAL. Oh okay. Oui! Oh oui! Oh non! Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus rapide. Oh non! Ok. Oh putain! Cache à coup, tu carries. Et là, ton Valkyrie, il me tue. Ah. Il a des dégâts, lui. Bah non, il a pas de dégâts, what the fuck? C'est très étrange. Attaque. Je sais plus quel type il a vu. Putain, je sais plus. Je sais plus si c'est bien cette attaque. Les mecs ils sont plus trop au courant de ce qu'ils font. Ça c'est pas mal ça. J'ai peur parce qu'à tout moment je vois mon Léviator qui tombe d'un coup. Oh non, il a changé l'autre là. Macogneur KO, parfait.
J'ai pas trop le choix là. Que vas-tu faire? Articoquac? Bah ouais, je peux rien faire. Bah oui, mais parce que à chaque fois que tu les envoies, tu les envoies dans mon piège de rock. Oui, que je sais placer T1. C'est bugué? Pourquoi c'est bugué? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien faire. Ah, ok, bon, suite à ce petit bug, on va reprendre le combat comme si de rien n'était. Hop là, voilà, c'est bon, ça y est, ça va. Ah. C'est bon, ça marche. Hop. Je remets le setup comme c'était réellement avant. Ah, j'ai endormi. Mais t'es endormi, oh. T'es endormi. Ah, ça me donne l'avantage. Un petit lame de rock. Oh la vache, ça fait du dégât, c'est donc. Ah, mon gros lame qui a plus que 27 PV. Et qui vient d'exterminer un Pokémon. Parfait. Allez, vas-y. Ah, il te reste ton Karchakrok. Chiant. Pas sûr que ça fasse grand chose, ça. Ah putain, mais t'es super rapide. Putain, mais t'es rapide, tu saoules. Mieux c'est perdu. Pas sûr. Ok. C'est win. Écoutez, ah bah non, c'est pas totalement win. Le tour de Thomas Santa, tu utilises moi d'abord sur Karchakrok, et du coup j'ai utilisé ton attaque. Parce que t'étais plus rapide, parce que vu que je savais pas si Mewtwo était plus rapide que ton Karchakrok, j'ai préféré faire ça au cas où. Ça a rien fait du tout. Parce que t'as fait quoi là exactement? Calcination. Moi d'abord. Donc j'ai utilisé Calcination, puis ensuite t'as utilisé Calcination, ok. On va essayer cette attaque. Bah voilà. T'as gagné. Mais c'est gagné. Incroyable. Oh. Incroyable. Je suis le gagnant de la saison 1 de Cobblemon. Comme s'il y avait réellement un gagnant, MDR. Ouais. Le badge Armex, qui est un bonbon XPXL. Incroyable. Ah, du coup, ça y est. Ah bah oui, oui, ça y est, c'est la fin de la série. Oui, j'appuie sur R, là. Ça marche plus, j'ai tout cassé. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère quand même que malgré l'épisode qui sort extrêmement tardivement, j'espère que la série vous aura plu jusqu'au bout. On se dit du coup à la prochaine pour une toute nouvelle série, que ce soit sur Cobblemon, parce que oui, le mode est vraiment bien foutu. Il y a eu des mises à jour depuis, donc on refera une saison d'ici, peut-être pas du coup la mise à jour actuelle, mais peut-être sur la mise à jour d'après, on fera une nouvelle saison peut-être. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'on s'organisera, je ne sais pas encore ce qu'on fera exactement. En tout cas, c'était en compagnie d'Armex, c'était en ma compagnie. Merci à tous d'avoir regardé cette saison de Cobblemon. Ciao tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait depuis. Et puis encore désolé pour cet épisode qui sort extrêmement tardivement. On avait prévu de faire d'autres choses qui malheureusement ne se sont pas fait. Ciao tout le monde, allez-y. Salut.